Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ouverture d'un petit colis Yves Rocher. J'ai passé une petite commande, j'avais besoin de quelques produits et le cadeau me paraissait bien intéressant. Donc j'en ai profité. C'est une petite commande, vous allez voir, j'en ai eu pour 18,06€ avec les frais de port, mais normalement j'étais dans les 13€ et quelques. Donc vraiment, petite commande, j'ai vraiment repris juste ce qu'il me fallait. Donc au départ, j'ai passé commande parce qu'il me fallait un masque pour les cheveux. Les miens arrivent sur la fin et en fait, il n'y a plus du tout de masque chez Yves Rocher. Je ne sais pas pourquoi, c'est indisponible. Tous les masques sont indisponibles, donc du coup, tant pis. Je n'ai pas pris de masque, mais il me fallait d'autres petites choses, donc j'en ai profité. On va commencer tout de suite sans perdre de temps. Donc pour commencer, j'ai repris des gels douche. Parce que j'ai remarqué qu'au niveau des gels douche à utiliser tous les trois, j'ai plus grand chose. Donc du coup, je me suis dit autant en profiter et en reprendre. D'ailleurs, j'avais vu que des nouveaux gels douche étaient sortis. Parce que moi, j'ai quasiment testé tous les gels douche, voire même je les ai tous testés. Mais les derniers qui sont sortis, je ne les connais pas. Donc j'en ai profité. Pour commencer, j'ai pris un premier gel douche. C'est à l'algue sauvage et Christ Marine. C'est un 400 ml au lieu de 6,90€, je l'ai payé 3,45€. Voilà, donc bain douche énergisant comme toujours, bonne compo, sans sulfate, etc. Sensation énergisante des côtes sauvages bretonnes dans un bain douche au parfum marin frais et tonifiant, enrichi en extrait d'algues de Bretagne et de Christ Marine. Donc on va sentir, c'est une odeur, voilà, c'est une odeur qui est très fraîche, très marine. Ça sent, ouais, ça sent très très bon. C'est un peu similaire à l'odeur vague océane du coffret que j'ai eu par mon parrain Noël. Ouais, pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Je trouve que ça change. C'est frais et tout. Voilà, ça fait du bien. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, c'est pareil. Hein, comme vous voyez, au niveau des packagings, Yves Rocher a refait tous ses packagings au niveau des, voilà, au niveau déjà de la couleur de la bouteille et au niveau des étiquettes. Voilà, ils ont refait quelque chose. Donc, c'est vraiment très joli et tout. On est vraiment sur le thème marin. J'ai pris le deuxième gel douche qui était sorti, c'est Fleurs des Prés et Brouillère. Bain douche relaxant, voilà, pareil, 400 ml. Enrichi aux extraits de genêt de Bretagne et de Brouillère sauvage. Les sensations relaxantes d'une promenade dans les landes bretonnes dans un bain douche au parfum floral. Voilà. Et au niveau de l'odeur... Ouais, ça sent la fleur, mais à sentir comme ça, c'est pas mon odeur préférée. Voilà, je vais être honnête tout de suite. J'adore les odeurs de fleurs, mais là, ouais. À voir après sous la douche, mais pour le moment, c'est pas un waouh au niveau de l'odeur. Donc on verra sous la douche, mais pour le moment, c'est pas une odeur... Bah, je saurais pas vous décrire l'odeur, mais c'est pas une odeur de fleurs comme la rose ou... Voilà quoi, c'est pas du tout ce genre d'odeur. Mais on verra sous la douche. Pour le moment, voilà, niveau odeur, je ne suis pas fan au premier abord comme ça. On verra ce que ça donne sous la douche. Pareil, je l'ai payé 3,45€ au lieu de 6,90€. Voilà, donc j'ai repris deux gels douche. Très rapide la vidéo. J'ai repris deux déodorants. C'était en lot promotionnel. Un acheté, un offert. Donc j'ai payé 6,90€ les deux au lieu de 13,80€. Donc 6,90€ pour un déodorant, c'est trop cher. Là, on va pas se mentir. Mais voilà, pour les deux, je trouve que ça reste raisonnable. Quand on divise la somme par deux, ça reste, on va dire, encore convenable. Donc, j'ai pris les déodorants douceur Camomille Bio. Il me semble les avoir déjà testés, ceux-là. Donc, c'est pour moi le soir, après ma douche. J'aime bien me mettre du déodorant. 50 ml. Donc, hop, on va sentir ça. Ouais, ça sent super bon. La camomille, c'est une petite odeur cocooning et tout. J'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai pris au niveau des produits. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris trop de choses. Déjà, j'en ai pas besoin avec tout ce que j'ai encore en stock. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Je voulais principalement un masque cheveux, mais voilà. Donc en cadeau, j'ai pu choisir parmi plusieurs produits. Et du coup, j'ai choisi un parfum. Donc ça tombe bien parce que tous mes parfums arrivent sur la fin. Je les ai quasiment tous terminés. Donc voilà, il est temps de me refaire un petit stock. Donc j'ai choisi celui-là, c'est le Bloom in Love de Montrouge, donc ça doit être une nouvelle édition qu'ils ont, qu'ils nous ont refait. Donc on a de la bergamote, du jasmin, du néroli,
Donc moi, le Montrouge, ça fait déjà deux fois que je l'utilise. Donc je l'aime beaucoup. Moi, les parfums Yves Rocher, j'aime beaucoup leur odeur florale. Après, ils sont trop chers. Voilà, on va pas se mentir aussi. Les prix sont trop chers. C'est limite les prix de grandes marques. Donc je trouve ça... non, je trouve ça trop cher. En plus, au niveau de la tenue, c'est pas toujours la meilleure. Donc dès que je peux en avoir en cadeau, j'en profite. Donc c'est une petite bouteille de 30 ml. Et elle se présente comme ça. Voilà, donc c'est vraiment la bouteille classique. On a juste derrière Bloom in Love et devant écrit Montrouge. Donc je vais le mettre avec vous parce que je ne me suis pas parfumée. Donc je vais en profiter. Mmh. Ah ouais, il sent trop bon. Oh là là, j'adore. Mmh. J'adore les odeurs florales. Donc ça, je ne suis pas déçue. Ça sent trop bon. Donc voilà, nouveau petit parfum qui va rejoindre mon tiroir. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Comme je vous ai dit, la vidéo va être très rapide. J'ai pas pris grand chose, juste ce qu'il me fallait. Comme toujours, dans le colis, on a les petites pubs. Voilà, Lusaka. Donc ça, c'est une marque voilà, de bijoux. Et on a une petite enveloppe comme ça avec les offres des partenaires. Donc le casting Kiabi, voilà. D'ailleurs, voilà, si vous voulez être mannequin pour Kiabi, il y a un casting qui est en cours. Donc il faut juste voilà, vous inscrire sur le site. Et après, qu'est-ce qui est noté? Donc vous avez jusqu'au 26 mars pour vous participer pour tous les âges, etc. Donc voilà, il y a juste le petit QR code à scanner. Donc hop, je ne fais pas de la pub parce que je travaille chez Kiabi. Hein. C'est juste parce que j'ai eu le dépliant, je vous le dis. Et on a toujours le petit catalogue Atlas Formel. Voilà pour cette vidéo de l'ouverture de mon colis de chez Yves Rocher. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut !